Human Music est une plateforme de découverte, de partage de musique classique, jazz et musique du monde, avec une grosse partie de musique classique. On souhaite vraiment décloisonner ce genre-là en prouvant à la Terre entière qu'il n'y a aucune barrière pour écouter de la musique classique, il suffit juste d'avoir des oreilles et après ça file tout seul. Nous avons organisé pour notre premier anniversaire un atelier d'intelligence collective avec le cabinet Solucom qui a organisé cet atelier qui avait pour but et pour sujet surtout le décloisonnement de la musique classique via l'outil numérique. On avait mis dans la même salle des artistes et des start-upers qui étaient spécialisés en industrie justement numérique et en musique. Et le but et l'idée était vraiment de mettre les idées de chacun sur la table, de les mélanger et de voir ce qu'on pouvait en sortir. Ça a très très bien fonctionné, les deux mondes se sont un peu rencontrés comme ça. Et on espère pouvoir récupérer le rendu de cet atelier et on va bientôt publier. Un an de Nomade Music sont l'occasion pour nous, pour toute l'équipe, de venir à la rencontre de notre public et aussi de démontrer encore une fois que les artistes sont vraiment ravis de les rencontrer, d'échanger et de partager avec eux. On a vraiment voulu que les artistes Nomade Music puissent aussi échanger sur le plateau, ce qui fait qu'on a eu vraiment des concerts en exclusivité ce soir, puisqu'on a mêlé accordéon et violon avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer ensemble. Le public s'y est pas du tout trompé, en plus c'était dans un lieu vraiment sympathique, le NUMA, qui est vraiment le temple du numérique à Paris, ce qui a permis aussi d'ouvrir à un public qui a l'habitude de sortir en basket tranquillement, boire une bière, et là c'était vraiment le cas. On avait des excellents artistes de la musique classique et on n'avait pas tout un dress code et un blocage qui pouvait faire qu'on n'était pas décontracté. Ça a vraiment très bien fonctionné, on est vraiment ravis que le public nous ait suivis et que les artistes aussi, parce qu'il y a vraiment un défi.